J'espère que tu vas bien. On va commencer de suite dans cette vidéo. Donc, point lecture de septembre 2020 pour te montrer ce que j'ai lu pendant ce mois-ci. Et il y a du bon. Le premier livre que j'ai lu au mois de septembre, c'est Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky aux éditions Larousse Roman. Dans ce roman, on suit Camille qui s'est fait larguer par son mec et qui décide de se venger parce que, en fait, clairement, c'était une relation toxique. Son mec profitait d'elle. Donc, elle décide de se venger et va s'en suivre toute une. Plein de péripéties, en fait. Et c'est assez drôle. C'est très drôle, en fait. Donc Céline Olinsky, c'est une humoriste qui fait entre autres des vidéos sur internet, sur Instagram et tout. Je la suis depuis un petit moment et je la trouve vraiment très drôle. Et je veux dire que dans ce roman, on la reconnaît à 1000%, c'est vraiment elle. Donc c'est assez marrant de reconnaître vraiment sa façon de parler, son humour dans un roman. Et puis le roman lui-même, voilà, est très drôle. C'est juste aussi, ça n'en fait pas trop, que ce soit dans le pathos ou dans l'humour. C'est bien équilibré, honnêtement. Si vous cherchez une lecture toute douce, cocooning et feel good pour l'automne, je vous le recommande vraiment. Et Céline travaille en ce moment sur l'écriture du tome 2, donc j'ai hâte de lire. On arrive maintenant aux premières lectures que j'ai faites pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc si tu veux voir tous les livres et les catégories, je t'invite à aller voir ma vidéo pile à lire du Pumpkin où tu verras vraiment exactement quelles sous-catégories veulent dire quoi, etc. Mais en tout cas, ma première lecture du Pumpkin Autumn Challenge a été pour la catégorie Les Supplices de la Belladone et ça a été Une ombre sur l'univers de Gwendoline Cachia aux éditions Nouvelle Plume. Ici, on est sur de la science-fiction. On suit Méliana, qui est une ombre, et les ombres ont pour mission de participer et de remplir des missions pour que la paix perdure au sein de la galaxie, enfin au sein de l'univers hein, plutôt. Et sauf qu'elle, se rebelle et accuse un sénateur de trahison, sauf qu'elle n'a pas de preuves, et du coup, elle doit se retrouver à fuir et on la suit dans cette aventure-là. On suit aussi Neville qui se retrouve sur sa route. Même si j'ai eu du mal à rentrer au début dans l'histoire, à m'attacher au personnage, au final c'est un roman qui va crescendo. Et crescendo, il y a de plus en plus de trucs de ouf un peu qui se passent. Et la fin se termine vraiment en apothéose. Au final, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ma lecture. C'est un prix de l'imaginaire, donc le prix 2020 de l'imaginaire des éditions Nouvelle Plume. Et encore une fois, et bah, ils se sont pas trompés. C'est une vraie réussite. Ensuite, pour la catégorie Les Chimères de la Sylve Rouge, j'ai lu Le fameux et le tant attendu. Midnight Sun de Stéphanie Meyer aux éditions Hachette. Moi je l'ai dans l'édition France Loisirs, mais enfin c'est exactement la même. Au début, quand ce livre a été annoncé, j'étais assez sceptique, puisque bon, le premier tome du point de vue d'Edouard, je vous présente pas Twilight d'ailleurs, au passage, je pense que vous connaissez. Le premier tome du point de vue d'Edouard, ouais, bon, j'étais un peu, oui, un peu sceptique, je dois le dire. Et puis je me suis lancée. Et puis oui, c'est long. C'est très long. Mais ça correspond tout à fait au personnage d'Edouard. Ça correspond tout à fait à sa façon de réfléchir. Vraiment, on s'immerge dans sa tête. On comprend beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux ce personnage qui, moi, m'a paru toujours assez mystérieux, toujours un peu incompréhensible. Et en fait, là-dedans, on comprend complètement sa façon de réfléchir et comment il fonctionne et c'est plutôt très intéressant. Donc ouais, pour moi ça a vraiment fonctionné, j'ai vraiment bien aimé. On en apprend plus aussi sur la famille Cullen, sur chacun des membres, d'où est-ce qu'il vient et leurs relations. Donc pour moi ça a été une réussite et j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, si vous aimez Twilight, je vous recommande. Par contre, si vous n'êtes pas ultra fan de Twilight et qu'en plus vous aimez pas les longueurs, je vous le recommande pas du tout par contre.
Mais voilà, moi ça a été un bon moment de lecture. Il me reste deux livres à vous présenter et ces deux livres vous les avez déjà vus dans mon vlog de la semaine précédente. Je les ai rangés dans la catégorie siroter un chocolat chaud sous les sols et donc il s'agit des Cires tome 1 et tome 2. C'était génial, voilà, j'ai pas grand chose de plus à rajouter que ce que vous avez vu dans mon vlog. Donc j'ai relu le tome 1 qui est la prophétie de Nokomi qui était vraiment super bien, un coup de cœur intersidéral, j'ai adoré. Et le relire, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc trop contente de l'avoir relu avant la sortie du tome 2 qui s'appelle La naissance de Kalira. Et ce tome 2 a été complètement fou, complètement dingue. Et il n'a pas le défaut qu'ont souvent les tomes 2, c'est-à-dire où il ne se passe pas grand-chose. Là, c'est tout le contraire, il se passe plein de choses et plein de choses vraiment utiles à l'intrigue, au développement de l'histoire, au développement des personnages. Donc, ouais, moi je suis ultra fan de ce tome 2. J'adore. Et enfin, cette saga, vraiment, c'est vraiment un truc de dingue, cette saga. Lisez-la, vraiment. Mais voilà, si vous voulez plus d'infos, je vous laisse aller voir mon vlog sur la sortie du tome 2. Comme ça, vous aurez le résumé et un petit peu plus d'infos. Okay. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à aimer, à t'abonner, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.